Salut tout le monde et bienvenue à tous sur KO Gaming. Vous êtes avec moi pour l'épisode numéro 2 sur It Takes Two et je suis pas seul, je suis avec Yuma. Salut à toi Yuma. Salut KO, salut tout le monde. Et donc je vais fuir très rapidement je pense puisque nous sommes après avoir vaincu cet aspirateur, ce vieil aspirateur qui a traîné on ne sait où à cause de mai. Oui, qui a traîné on ne sait où parce que tu l'as cassé. Mais tu devais le réparer et tu n'as rien fait. Oui, mais tu l'as quand même cassé. Dingue. Bon, je demande le divorce. On n'est pas mariés de toute façon. Et donc, je n'aime pas du tout le nom de ce jeu qui s'appelle Frappe Cody, donc moi je m'en vais très très bien. Hé hey, Cody, viens voir. Non, je viens pas. Je ne viens pas. Je crois que tu n'as pas le choix. Viens ici. Je rigole déjà. L'idée de vous faire toucher est marquée en restant debout. T'es bon, t'es prête? Oui, oui, je suis prête. Attention à ta tête, Cody. Ah, tu m'auras pas. Vive, vive comme la tour. C'est pas la vie de mon marteau. Oh là! Ah oui, d'accord, c'est... Allez, sors! C'est impossible! Pourtant, tu tapes vite! Tu as sorti, oui! Coucou! 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 Aïe! Je suis trop rapide pour toi. N'empêche que je t'ai tapé quand même. Bon, heureusement. Bon, ok. Et il faut le faire à l'infini ou... Enfin, on peut le faire à l'infini ou quoi? Ça va? Non, mais... Bon, allez, c'est bon, je me suis bien amusé. Allez, moi je me casse. Hein. Non, mais on peut le faire combien de fois ce jeu? Je sais pas, mais on s'en fout, non? C'est bon. Bah, c'est, ça dépend, si on gagne un truc au bout de 3 manches. Non? J'essaie de faire participer ma communauté aussi, tant qu'à faire. Est-ce que ceux qui connaissent le jeu. Il y a des manches maximum à remporter pour gagner un truc, ou j'en sais rien. Non, vous gagnez rien. Ok, c'est allez, bon. Allez, hop, on se casse. Ah, le touchant des engrenages. Je suis ému. Hop. Alors, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Tu plantes des clous. Je vais te le planter le clou, moi. Non, je voulais juste voir ce que ça faisait. Ah, mais il y a une vitre là, d'accord. J'ai pas vu. Ok. Parce que c'est pour l'instant. tu me laisses passer. Allez, vas-y. Je te fais le témoin à combien. Oh non. Je suis pas filé sur le bon bouton. C'est bon, t'es passé? Oui. Allez, bah je t'attends. Il y a encore une machine dans le passage, Cody.
Ah d'accord, ça c'est pour ça. Ok, vas-y. Il s'éclate le marteau. Ok, j'ai compris. Hop. Et je te rejoins. Et là, c'est parti. Je me demande où on est quand même, hein, parce que c'est quand même assez vaste. Hein. Aller à droite aussi, non ça. Et c'est pour toi, pour le clou. Ah non. Bon. Je suis censé faire comment là? Bah tu passes. Mais t'es sérieux, t'as vu où tu l'as mis? Bah oui, c'est fait exprès. Mais t'es dégueulasse. Tu viens de dire ah gna gna gna. En fait t'as pris mon passage. Parce que toi tu vas pouvoir Non. Bah non. C'est très bizarre. Aussi bien que tu sois allé là. Mais je me pense que tu es allé sur mon passage en fait. Mais pourquoi je serais allé sur ton passage? Il fallait utiliser le marteau, tu fais comment toi? Mais là, je fais quoi alors? Ouh, des interrupteurs. Moi je sais pas ce que je dois faire. Je pense que je vais essayer de t'aider plutôt. Attends, j'arrive. Ah, moi, je suis sur un mini-jeu. Mais enfin, je peux rien faire pour l'instant. Il y a rien qui se passe. Hop. Ah oui, mais non. On repart. Hop, voilà, c'est bon. Hop là. Ok, j'ai compris le truc. Sympa. Ah oui, mais alors du coup, elle est sur le bon chemin et... Allez, enlève-le, là! J'essaie de comprendre ce qu'il dit. Mais quoi? C'est juste un mini-jeu, tu dois planter des clous. C'est même pas compliqué. Non, oui, mais est-ce que c'est ça, le mini-jeu, ou est-ce que... Je sais pas. Je peux essayer à travers. Oh là là... Je t'ai vu toller. Ouais, je sais pas, ici. Là, tu dois te débrouiller toute seule. Donc oui, c'est bien de ça. Toi, t'es sur le bon chemin et on a loupé un truc. Donc on pourra pas faire le truc qui nous manque. Mais quoi? Quel truc? Mais en fait, il y avait un passage là, et c'est un jeu supplémentaire. C'est trop tard maintenant. Mais... C'est celui-là que je voulais. Là. Je vais t'en mettre un deuxième. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Pourquoi tu m'en as mis deux? Je fais quoi, moi, avec ça? Je pensais que tu voulais passer de l'autre mais côté. Mais sur l'autre... Sur oui, l'autre mais je pensais que tu voulais que te rapproches. Ah oui, mais il tourne sur la zone. Oui, je me doute que c'est optionnel. C'est dommage. Ah, remarque, t'es revenu là. Ah oui, non, c'est pour passer de ce côté. Bon, bah tant pis pour le jeu. Quoi ça? Attention, ok. J'ai un troisième clou, très bien. Mais il faut que tu rappuies sur le machin pour me faire monter. Non, il faut que tu redescendes. Moi je suis sur le tremplin, il faut que tu appuies sur celui qui va de... Sinon on peut pas avancer. Voilà, parfait. Tu peux remonter. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut que j'aille où en fait? Parce que moi je veux bien y aller mais... D'accord, il y a un tremplin là où tu es.
Waouh, ça va être chaud, hein. Ok, il faut que je sprint. C'est bon, t'es prête? Mais prête pour quoi? Ah, pour appuyer, vas-y. Trop tard. T'as vu ce que tu faisais, c'est bon? Ouais, j'appuie et ça fait un tout petit son, mais... Vas-y! Non, c'est pas assez. Par contre, je trouve qu'il a pas beaucoup d'impulsion, là. Il a pas beaucoup d'impulsion de la plateforme. On va réessayer. Vas-y. Oh, j'étais presque. C'est bizarre. Donc c'est ça qu'il faut faire. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Okay. J'y vais. Vas-y. Ok, c'est bon, je suis passé. Ok, à ton tour maintenant. Ah, faut que je prenne le premier clou. Hop, et hop. Non. Du coup, là, ça ne sert à rien. Je vais enlever celui-là. Et je pense qu'il faut que je mette celui-ci dès que t'as... Voilà. Non, trop tard. C'est moi. Vas-y. Tu me dis, hein. Bah, quand tu veux. Allez. Ah, putain, il faut que je l'enlève au bon moment, lui. Attends, il faut que je mette la plateforme là. Ok. Ah, tu l'as pas eu? Non, excuse-moi. Non, c'est pas. Mais j'ai glissé et... T'as glissé, chef. J'ai glissé, chef. Ok, j'enlève celui-là. Et quand tu veux. T'es prêt? Ouais. Allez, j'y vais. Attention, je vais enlever celui de droite. Putain. En fait, t'étais sur lequel quand je l'ai enlevé? Mais à gauche, mais en fait, j'ai pas capté que c'était aussi long. Ok. Je vais essayer de le faire le plus rapidement possible, histoire que dès que t'es monté, tu sois de suite sur le truc. J'ai combien? Ah oui, j'ai que 3 clous, donc je peux pas l'activer avant. T'es prêt? Allez, vas-y. Vas-y. Ok. J'ai 2 clous. Qu'est-ce que ça fait, ça? D'accord. Tu pouvais pas grimper avant que je mette celui-là? Mais si, il faut qu'on soit coordonné, t'es prêt? Ouais. Allez, je saute. On ne saute pas assez haut. J'ai l'impression, ouais. Je suis pas du tout assez haut. Ça et fait quoi? Oh, remets la plaque sur le côté à gauche. Ah oui, pas bête. Et j'ai encore un clou. Hop, voilà. Parfait, okay. Bien joué. Ok. Et là, je peux l'avoir, je pense. C'est bon? Oui. Et on met celle-là. Ok. Parfait. Bon, bah j'ai plus qu'à attendre. Merci pour le GG. Merci. Ça faisait longtemps, tellement longtemps que j'avais pas utilisé de marteau, j'ai dû chercher. Attends, qu'est-ce qu'il a fait déjà? Quel dommage que je puisse pas les casser avec les clous. Par ici, vous deux. Aidez-moi à l'ouvrir. Ah, bien, c'est méga haut. Ouais, c'était pas si facile que ça. Hein. Autant pour elle que pour moi. Oh oh. Saoudi. Ah, c'est un boss? Va s'occuper de cette boîte à outils. Ok. Allez, bon, les copains! Oh punaise, attention par terre! Alors, attends, il faut qu'on comprenne comment on fait pour le toucher. Arrête un peu de te faire la mode. Parce que là, il nous attaque, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Tu t'en tireras pas comme ça, sacré boîte à outils!
Est-ce qu'on peut sauter? Ah, on peut descendre. Ah, d'accord. Ouais, j'étais en train d'essayer de voir. Ok. Ah, ok, il y a un parcours, viens. Ouais, j'ai vu. Hop. Je pensais qu'il fallait rester sur le oui, truc. Oui, moi aussi, qu'il fallait juste éviter les coups, mais en fait, faut qu'on avance aussi. Ok, là j'ai besoin de ton marteau. Oui, bah t'attendras que je sois plus morte. Comment t'as fait? Tu t'es... Je me suis fait écraser. Ok. Comment tu dis? Bon, je me suis fait écraser. C'est évident, non? En même temps, avec un truc pareil, c'était sûr que j'allais me faire écraser. Ah, il continue de me viser, l'enfoiré. Hein. Cette saleté de boîte à outils. Ouf. Ah ouais. Oh vache. Je peux même pas t'aider. Comment tu t'es pris trop cher? Ah putain, moi aussi, ça y est. Ah bah attends, il m'attaque. C'est bon, je suis passé. T'es passé? Ouais. Moi, je peux pas le taper, le truc, donc... Tu dois avoir un truc à activer, non? Certainement. Ah! Attention. Attends, mais je peux pas te faire passer, là? Bah attends, mais ça doit être à moi. Ah si! Non, c'est non, je peux pas, non. Ça va. Bon, bah je continue, hein. Bizarre, ça. Merde, je fais que crever, du coup. Plus vite, mais plus vite. Non, mais il faut que je passe, hein. Vous êtes un peu lourd, vous savez. Je sais pas comment tu peux passer, en fait. Putain. Ah, et puis là j'ai besoin de toi, merde. Oui, bah attends, j'arrive. Mais t'as réussi à passer? Mais oui. Comment t'as fait? Eh bien, je suis passée toute seule comme une grande fille. Mais oui, mais comment t'as fait? Il y avait un truc pour sauter? Mais Oh non. Mais non, j'ai activé le truc et je suis passée au même endroit que toi. Ah, il y avait un truc à activer pour toi. Mais putain, mais c'était le même truc que toi. Ah, mais d'accord, mais je regarde pas ton écran, moi. Mais putain, mais comment je passe là? Il faut sauter et appuyer sur carré. Oh. Yuma s'énerve. Vous êtes gavé là. C'est bon? Oui, c'est bon. T'es chiant, mais je suis passé. Merci des conseils. Oh là là, je suis censé passer ça moi? Oui. Oh là là, j'ai jamais arrivé. Je vais me mettre face au truc. Hein. Y'a wesh. Pile au mauvais moment en plus. Quel enfoiré. Je pensais qu'il me focus. Ah, ça y est, t'es là. Oui, ça y est. Je pense qu'il faut appuyer sur ça. Rappuie. Voilà. Ah, mais. Elle est chiante cette caisse à outils de merde. Et moi je peux pas passer, il y a les bouteilles, donc il va falloir que tu le refasses et que je plante un clou quand il est en haut le truc. C'est bon, tu me dis? Vas-y. Allez. Hop, c'est bon. T'as plus qu'à passer. Ouf, putain, j'ai évité ça, je sais pas comment j'ai fait. Oh! J'ai même pas vu. Ok. Nickel. Attention. Allez, à toi de jouer. Et c'est pas fini, Yuma qui dit. Ah, super. J'ai voulu faire cette fête là, cette caisse à outils. Allez, là, c'est ta saloperie. Elle va se calmer, hein. Oula, il va falloir encore que tu appuies sur quelque chose. Attends. Hop. Ah oui, ok. Attention. T'es prêt? Vas-y. Avec le clou, KO. Mais je l'ai... Ah non, je pensais qu'il fallait que je l'utilise pour m'agripper dessus, en fait. Ah, reviens vite, c'est bon, je vais c'est crever. Bon, je l'ai. T'es prêt? Vas-y. Ah, merde. C'est pas grave. C'est trop chiant. Vas-y. C'est bon. C'est bon, tu l'as eu? Ouais. Yes, super. Oh. Ah, ça sent l'affrontement là, ça y est.
Mais qu'est-ce qu'il leur prend à tous ces trucs là, hein? On s'en est pas bien occupé, voilà. Oh punaise. J'aime pas ça du tout. Qu'est-ce qu'elle nous fait là? Elle s'occupe de quoi là? Ok. Ah, tu peux mettre des coups? Ah merde, j'étais trop lent. Non, si tu peux mettre des coups, ça veut dire que c'est à moi d'y aller là. Ah, pas pour l'instant. Oula, attention. C'est quoi tous ces clous? C'est les surplus d'IKEA ou quoi? Mais... Ah, je l'ai eu? Bon. Allez, vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai paniqué. Ouais, c'est toutes les vis de sécu d'IKEA. Oh non! Oh, je regardais pas! Vas-y. Je fais quoi? Ouais, faut lui péter les cadenas, d'accord. Qu'est-ce que... D'accord, elle t'a ramené là. Quelle horreur! Oh putain, il s'est mis en mode rage! Une perceuse! Cette boîte à outils est dingue! Cette boîte à outils! Oh là là là! Mais quel enfer! Putain, il nous fait un gros. Oh! Mais oh! Oh là là! Ça y est, je suis mort! What's that? Brother 1! Ok, c'est bon. Par contre, les trous, ils restent, attention. Oh, mais je sautais là! Putain, abusé! Allez, c'est bon. Vas-y, Yuba! Bien joué! Tiens, espèce de connasse! Elle est un bras en moins. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? J'en sais rien! J'adore la voix du marteau. C'est quoi? C'est du dégrippant? Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'il lui prend, cette boîte? Faut gérer sa colère, hein. Ouh là là. Mais qu'est-ce que... Oh là là là, mais ça va pas, hein. Pff, je suis tombé dans le trou. Non, ne dis pas ça, ne dis pas ça. C'est bon. Reviens. Mais il me suit. C'est quoi ce truc? Attention. Il nous a pris pour des mouches, en fait. D'accord. Ok, j'ai compris le truc. C'est bon? Qu'est-ce qu'elle fait? Rien? Je lui ai enlevé des vies, mais... Ok. Faut recommencer. Très bien. Quand il refera l'appel... Quand il refera l'appel... Faudra que je me remette encore sur le... Dessus, que tu tapes et que ça me refasse l'éviter. Mais... Oh. Putain, il y a une scie en plus. La plateforme est de plus en plus petite. En fait, on est sur un Berminator de Crash Bash. Oui, il envoie sa main, là. Ça y est, elle est là. Oh par là contre, la plateforme, elle est vachement plus petite que tout à l'heure. Oh, ah, non, c'est mort. Oh non, on va recommencer. Oh non. Ah, mais on recommence pas au début. Oh, j'ai peur. Putain, par contre, la deuxième plateforme, elle est vénère, hein. Oui. Allez, on se retrouve pour des mouches. En fait, ils nous suivent chacun son tour. Ouais, c'est triste, Lily. Putain, on était pas trop loin, en plus, hein.
On a failli faire du one shot. Vas-y, je suis prêt. Oh! Je pense que je l'ai eu deux fois sur trois. Merde. Bon, c'est déjà mieux quand même, hein. Oui, c'est sûr. C'est très bien. Voilà, c'est là où c'est vénère, hein. Parce que là, la surface de la plateforme, elle est plus que divisée en deux, quoi. Merde. Reviens. Oh la scie. Oh non. Oh comme elle nous a baisé. Oh la scie, je l'ai pas vu venir. Et puis on était tous les deux au même endroit en plus, comme des cons. Bah moi je me suis dit c'était safe en fait. J'étais fier de moi. Faut éviter qu'on soit au même endroit parce que sinon. Ah ouais, là il nous a plombé les deux en même temps quoi. Le coup magistral, c'est. Méchante scie. J'ai failli me la prendre. Non, je me suis pas pris. Allez, go. Ah, je sais pas si je. Non, je suis tombé dans le trou. C'est bon, tu vas y arriver. Oh, attention à la scie, putain. Ah mais en plus elle fait pas du tout le même cheminement à chaque fois la scie, hein. C'est vraiment au pif. Tu aimes l'aléatoire, Yuma? Je déteste ça. Ah, j'ai un truc qui me chatouille. C'est pas le moment de se faire chatouiller. Bah oui, mais dis ça à la bestiole qui me chatouille alors. Oh, mais waouh, mais c'est du gros nawak là, on a plus de place là. Non, ça va être chaud, hein. Lui il va revenir avec sa pelle. Et on est mort encore au même endroit. Putain. Wow, putain, la place, elle est horrible. Ok, je mets pause. Et sur le stream aussi. C'est reparti pour ça. Nous sommes de retour. Yuma a fait sa petite pause. On est reparti. Allez. Ça, si c'est le deuxième boss, j'imagine même pas la suite, hein. Oh! Il t'a ciblé. Il t'a ciblé. Tu es sa pute! Ouais, bah il m'a eu, hein. Et bah il m'a eu aussi! Oh là là, ça commence bien. Moi, c'est le manche qui m'a touché. Oh, mais moi aussi! Mais. C'est trop bizarre. Vite, Yuma, faut que tu tapes! Ah, j'ai touché trois fois! Yes! Donc là, ça veut dire que si je fais la même prestation après, j'ai dû enlever plus de la moitié de ses vies. Donc c'est peut-être pour ça que la plateforme, elle est ultra petite après. Oh, la scie, attention! Oh putain, elle est passée juste à ma droite. Oh, c'est bon, elle est assez rétrécie là. Allez, on a la pelle. Je me suis encore fait avoir. Bien joué. Allez, vite. Allez. C'est bon, je l'ai eu. Yes. Oh, ça c'était bon. Bravo. T'as trop géré là. Et pourtant, je me suis encore fait toucher par cette putain de pelle. Hein. Ouais, bah au final, heureusement, moi j'ai réussi à. Ouais. À choper le truc. Hey, regarde. C'est bon, je suis prêt. C'est mon moment. Voilà, une multitude de GG. C'est bon ça. Oh, bah voilà. Oh, ce boss. Ouais. Merci. Ah, il a retrouvé son manche. Du coup, j'ai plus de marteau. Merci. J'ai plus de vis non plus. Vous êtes notre héroïne. Merci, marteau. Hey, et moi alors, hein?
Moi aussi j'ai participé et je suis pas un héros. Vous avez vu cette explosion? Bon, enfin bref, on n'a toujours pas retrouvé Rose. C'est vrai, bien sûr, bien sûr. Sébastien, tu peux les aider? Faut qu'ils aillent de l'autre côté. Oh. Quoi? Wow. Quelle souplesse. Montez à bord. Ok, à bord, vous êtes sûr? Vous ne risquez rien. Ok. Oh. Ouh. Je le sens pas, ça me dit rien. Détendez-vous. Ok. Ne vous inquiétez pas, il est très précis. Sébastien, balance. C'était sûr. C'était obligé. Et on est toujours là. Attends. Putain. On a rien foutu depuis le début. Maman et papa, ferme pas la porte. Non. Rose. Stupide bouquin. Vous avez enfermé, imbécile. Coincé ici maintenant. Être coincé, c'est juste dans la tête. En ne regardant que la porte fermée, vous allez rater celle qui est ouverte. Ok, pour info, il n'y a qu'une seule porte dans cet abri. Et une fenêtre. Bien observé. Mais, wouhou, on va à la fenêtre. Wouhou. Ok, ce bouquin est complètement timbré. Oui. Pourquoi il y a un R, hein? D'accord. Oh d'accord. Impulsion. Ben, je vois pas l'intérêt. Sauter. Oulala. On a un truc comme ça dans Ratchet et Clank aussi. Regarde-moi ça, May. Ouais, trop classe. Mais te casse pas la figure. Ah, t'inquiète pas. J'ai chopé le... D'accord. En appuyant sur R1, on peut changer de tuyau. Toi qui es devant. C'était trop cool. Mais j'ai trouvé que c'était bizarrement simple. Attends, c'était que le premier. Ouais, c'est marrant, il y a deux trajets, je vais prendre le deuxième. Ah bah j'ai bien fait. T'as fait quelque chose toi? Oui, j'ai tout cassé. Ah bah en fait on a fait les deux en même temps, donc on a géré. T'avais un interrupteur aussi? Ouais. Ouais bon, on a fait exactement les deux en même temps, donc c'est parfait. Oh mince! Concentre-toi! Avion! Vite! Putain, je sais pas, qu'est-ce que t'as fait? Mais j'ai pas appuyé en fait. D'accord. Et j'ai vu le son. Ah, c'est bon, je sais pas. Ça devait être un bug du jeu à mon avis. Ok, je sais pas ce qui s'est passé, mais... D'accord, il fallait pas sauter en fait, c'est très bizarre. Coucou. Hello. Non. Ah vas-y, on est en même temps. Bon, 1, 2, 3. Voilà. Oh, mais regarde, c'est tes vieilles jumelles. Génial, cherchons Rose. Wow. Oui, voilà, il faut qu'on la trouve. Ah oui, je sais qu'on ressemble à des poupées, mais en fait, on est ses parents. Je sais qui vous êtes. Rien n'échappe à mes lentilles. Regardez. Là, là-dedans? D'accord, ok. Alors, voyons voir. J'ai l'air mort. Putain, on est dans des champs de transe. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Qu'est-ce qui nous arrive? Tout ce que je sais, c'est que Rose est assise ici avec ses poupées. Et vous avez pris vie, tous les deux. Quoi? Juste comme ça? Vous n'avez rien vu d'autre? Il y a bien eu quelque chose de bizarre. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle pleurait.
Je sais, plutôt inhabituel pour Rose. Et j'en suis parfaitement sûre, car j'ai vu ses larmes tomber sur ses poupées. Les larmes qui tombent sur les poupées. Attendez, attendez. Je sais ce qui s'est passé. C'est un sort. Oh, c'est complètement ridicule, Cody. Il faut qu'on reste logique. Mais regarde, on est en train de discuter avec une paire de jumelles. Il n'y a aucune logique. Oh, bon sang, je ne crois pas une seconde au sort. Ok, et est-ce que tu croyais que tu pouvais te changer en pantin de bois, hein? Exactement. C'est forcément les larmes. C'était un sort, je t'assure. Alors, si c'est bien un sort, comment est-ce qu'on le brise? Ok, je sais. En fait, moi et Rose, on a lu un paquet de trucs sur les sorts. Je suis quasiment devenu un sorcier. Alors maintenant, laisse-moi respirer, j'ai besoin de réfléchir. Ok, bon. C'est dans ma chevelure. Les larmes ont servi à jeter le sort. Alors, pour le briser... Oh. Pour briser le sort, il nous suffit d'utiliser à nouveau ses larmes. Boum. Wow. C'est... Okay. Donc maintenant, on doit la trouver et la pousser à nous pleurer dessus. Vraiment? Ok. Ce serait pas plutôt l'inverse, du coup? Pour rompre le sort, il faudrait qu'elle soit joyeuse. Bah oui, avec je pense, oui. Elle est dans sa chambre. Dans sa chambre. Allez-y. Parce que son vœu, c'était que on se remette ensemble. Donc, si elle est joyeuse avec nous deux... Comment on arrive dans sa chambre d'ici? Fastoche, on monte dans l'arbre. Par ici. Quoi? Mais tu pourras jamais sauter aussi loin. Regarde. Oh, merde. Laissez passer, les amoureux. Allez, venez. Alors, envoyez-nous la corde. C'est trop loin. Cody, quelle que soit la distance, l'amour triomphe toujours. Fermez-la et lancez-nous la corde. Ok, mais relax. Allez, venez, vous voulez la corde, hein? Vous la voulez, hein? C'est ça, pas vrai? Vous voulez la corde? Venez, prenez-la. Ouh là là, on va avoir un nouveau gadget. Allez, ok. Traverser. Oui, mais... Oh, cet arbre est gigantesque. Ça va, c'est facile. Avec ses cordes, on atteindra Rose en moins de deux. Pff, moi, je te regardais, du coup. Je te regardais, je suis foncé dans le lit. T'es tombé, très bien. C'est pas grave. La maniabilité est quand même assez simple, hein. Oui, ça va. Et ils sont assez permissifs aussi, je trouve. Ouais, ils sont très, mais très des fois, avec le marteau, j'y étais pas du tout. C'est-à-dire? Bah, quand, tu sais, je devais me balancer sur tes clous. Oui. Et des fois, j'y étais vraiment, mais vraiment pas du tout, quoi. Ils me l'ont pris alors que j'étais vraiment très loin. Ah oui. Je ne pas lancer ses chaussures. Oups. Je lui ai dit que je le faisais quand j'étais petite. Tout s'explique, alors. Elles sont trop petites, de toute façon. Oh, un avion de papier? Il y en a toujours qui se croisent dans l'avion. Faut que je vise ça ou la fenêtre? Ah, peut-être la fenêtre, non? Mais non, vise le truc avec la corde, K.O. Sinon tu vas tomber. Le truc vert? C'est pas ça qu'il faut faire. Ouais, attends, moi je suis les fourmis. Vas-y, ouais, pour voir ce que ça fait. Ou alors c'est juste un bonus, peut-être. Hein. Est-ce que tu peux pour choper le truc vert? Ouais, tu peux, hein. Ouais. Donc je vais essayer de viser la fenêtre. J'ai pas trop perdu. Là, jusqu'où? Ah, ça change... C'est sorti de mon champ de vision. Dans l'arbre pour Rose? Non. Pourquoi tu demandes? Il y a des fenêtres. Wow. Qui a bien pu construire ça? Certainement un truc qui nous en veut encore. Qu'est-ce que t'as fait encore? Pourquoi ce serait moi de suite? Non mais t'es sérieux là? C'est peut-être toi qui a fait une connerie. Hein. Non. Non. C'est sûr que non. Ouais, bon, je crois en mon personnage.
Ouais, bah moi je tique, c'est toi. Merde. C'est notre balançoire. Ce truc devient enfin utile. Allez, on traverse. Oh okay. Encore un avion de papier. Qu'est-ce que tu fais avec tes avions? J'ai pas l'impression qu'il faut viser quelque chose en fait. Oh non. T'es contre. Ouais, c'est bizarre, hein. Ça se trouve, on avait besoin de ces avions en papier, t'es en train de faire n'importe quoi. Pas moyen d'atteindre la chambre de Rose pour l'instant. Allons plus haut. Ouh putain, je rebondis là-dessus, dis donc. Mais attends, ah, ici. Ouh, c'est chaud ça. Allez, je suis passé. Surtout le héros d'argile à la corde. Ouais, attention au héros d'argile. Wouh, bizarre mais utile. Ouais, c'est vrai un petit peu, ouais, sur ce passage-là, il y a des similitudes. Mais il y avait le balancement de corde dans le 4, pas dans celui qu'on est en train de faire. Oulala, 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 faut aller où, faut aller où? En bas? Non, 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 il faut longer. Ah, tu l'avais. Mais longer quoi? Mais t'avais un autre sac pour t'agripper, du coup tu recommences. c'est marrant quand même. C'est pas drôle. Pourquoi mettre une balançoire aussi haute en plus? C'est ridicule, ça, c'est bien un mec qui fait ça. Encore un avion de papier. Ah! Bah, je suis obligé de t'attendre. Hey, attrape! Oui, bah, 30 secondes, hein! Y'en a qui ont des problèmes à régler. Allez, on va rentrer dans l'arbre. Toi, tu vois, t'en as un deuxième de truc vert. Ah oui, d'accord. T'en as même un troisième. Oh là là. Okay. Voilà, parfait. Qu'est-ce que ça fait là? On dirait que c'est contrôlé par une poulie. Tu fais oui. Faut pas l'énerver, hein. Ah, il y a une maison. Oh, merci, Quentin. Une porte dans un arbre. On voit toutes mes des skills en gestion de saut. On doit s'activer. Peut-être que quelqu'un là-dedans pourra nous aider. Sérieux? Alors, qu'est-ce qu'il va nous en vouloir cette fois? Hey, une fourmi? Tu fais quoi? On sait pas ce qu'il y a là-dedans. Mais c'était un raccourci vers la maison. Et si c'était pas le cas? Et si c'était... Qui vous envoie? Personne. On vient en paix. On essaie d'aller dans la maison. La maison? Pourquoi vous allez là-bas? On n'a pas le temps d'expliquer. C'est un raccourci ou pas? Non, en tout cas, c'est bien fait piéger. Et j'ai plus mon marteau. Super. Oh, je savais que c'était pas une bonne idée. Ça te passe. Allez, aide-moi à pousser. C'est trop lourd. Pourquoi ce bocal à l'envers? Pour moi, on voit à travers. Super, mais vraiment, on est emprisonné, mais la vue est haute. De ce livre du docteur Hakim, il dit que c'est important de se pardonner mutuellement parce qu'après on peut redevenir amis. Si tu veux, tu pourras l'emprunter. C'est trop bizarre la façon dont je me suis endormi quand même. Biquette. Oh, on est sorti du bocal. Cody, ça va? Ouais, j'ai connu mieux, mais ça va. Ils sont trop mignonnes, ces petites chaises. On n'est pas collés l'un à l'autre, hein. Non. Vous travaillez pour les guêpes. Faites pas les imbéciles. Elles vous ont envoyé pour nous tuer. Vous tuer? Non. On travaille pour une guêpe. On va voir pour qui vous roulez. Abaisse le levier. À vos ordres. C'est des écureuils.
Oh là, on a pas fini de crever là. Chef, j'ai pas l'impression qu'il roule pour les guêpes. Et pourquoi ils meurent pas? Ils ont peut-être des super pouvoirs. Et s'ils pouvaient nous aider? Ouais, on va bien. Oh mon dieu. Arrêtez. Oh non. Tu le sens le prochain boss? Ouais. Un truc pour moi, ça. Ah non. Hey, viens là. Salut. Salut, monsieur, le gros écureuil. Alors, vous voulez entrer dans la maison? Oui. On peut vous y emmener. Vraiment? C'est... c'est très... gentil. À une condition. Ah, c'est sûr. C'est-à-dire? Allez, suivez-moi. Il veut pas le dire, tu veux pas cracher le morceau? Viens, c'est pas une bonne idée. Viens, Cody. Je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Oh, des écureuils. C'est fou, ils gardent vraiment tout. Regarde, mais notre télécommande. Ils l'ont volé. Toute famille. Qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Je sais pas. Mon épaule là-dessus. Oh, hé, c'est mon caleçon. C'est pas une grande perte. Oh oui, j'avoue, le caleçon blanc à cœur là. J'adorais ce caleçon. C'était avant. Les guêpes ont envahi notre arbre et décimé toute notre tribu. Vous devez les tuer. Quoi? On peut pas tuer ces enragés. Ça va pas la tête. Le prenez pas mal. Vous avez survécu à deux d'entre elles. Face à tout un essaim, on est sûr de mourir. Vous allez donc avoir besoin de ça. Le dernier cri en matière de cybertechnologie noisette. Le lance-résine Hype-Shakti 57. C'est trop mignon. Oh. Avec également le fusil à allumette X200. Pourquoi c'est toi qui as ça? C'est trop bien. Pourquoi moi j'ai le truc noisette là? Ça va pas du tout. Comme prévu, les guêpes ont pris le robot pour leur règne. Mais au lieu de détruire les guêpes, notre agent a pris goût au pouvoir et a changé de camp. Donc, tuez les guêpes et l'agent dans le robot, puis nous vous aiderons à atteindre la maison. C'est compris. Ah ouais, bien sûr. Mais il n'y a pas une façon plus civilisée de... Non, moi je ne marche que si j'ai le truc explosif. Alors moi, je suis désolé, mais je le garde. J'ai honte. Ce serait pas nécessaire si t'avais détruit le nid. Ah, tu vois, c'est ta connerie. Tu te rappelles pas? Dans le monde réel, dans l'arbre. Je te l'ai demandé des centaines de fois et t'as promis de le faire. Ok, d'accord. Mais on n'en serait pas là si toi, t'avais pas frappé à la porte des écureuils. Bah, eux au moins, ils vont nous conduire à la maison. Ah, mais tu rigoles? Tu les crois, toi? Je fais pas confiance aux écureuils. Ils m'ont piqué mon caleçon. Oh, bah ça, crois-moi, c'était pas une grosse perte. Oh, vraiment? Bah au moins, mon caleçon est la pièce maîtresse d'une machine volante sophistiquée. Eh oui, si tu veux savoir, je doute vraiment qu'elle puisse voler. Évidemment, tu doutes. Tu sais quoi? Vivement que je récupère mon corps pour qu'on puisse divorcer. Oh, pareil. Eh, on fait quoi? J'imagine qu'il est temps de tuer quelques guêpes. Quoi, tout seul? Allez, t'inquiète pas, on est armés. Bah, avec ces machins. Mais j'ai rien. Un truc de noisette là. Qui truc? T'as vu à quel point elles sont puissantes? Ça va chauffer. Il reste 10 minutes. Tu crois qu'on continue ou pas? Ça paraît chaud, non? Je pense que là on va rentrer dans une grosse phase. Ouais, c'est pour ça. Donc ouais, 50 quoi, minutes. Hein? 50 minutes, je pense que c'est. Une cible. Toi, t'as pas besoin de viser, toi. Si? Ah si, ouais, la bise.
Ouais, je pense que c'est plus judicieux d'arrêter sur cet endroit pour le deuxième épisode. Eh bien, écoutez, en tout cas, on espère que cela vous aura plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager avec et à vous abonner à la chaîne. Et puis, bah, dites-nous ce que vous préférez entre le fusil noisette ou alors le gros truc méga puissant qui est évidemment pour Yuma et pas pour moi. Hein, voilà. C'est un lance-allumette. Mais je m'en fous, c'est toi qui as le truc qui fait boum. Ça ne va pas du tout. Allez, des bisous, à la prochaine. Salut à tous.